Saint-Pierre depuis le début. Je suis très émue parce que dès qu'il y a une injustice, ça me touche aux tripes, au cœur, dans l'âme. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour, en solidarité, en fraternité, contre toute cette injustice, avec le docteur Denis Acré, que je salue. Et je me sens honorée pour tout ce que tu dis, parce que je te suis, j'écoute toutes tes vidéos, je vois tout ce que tu fais, et ça renforce en moi l'humanité, tout simplement. Voilà. Je suis trop émue pour continuer. D'habitude, je crie. Mais, comme dit docteur Deschazourne, ça ne sert à rien de crier, je l'ai compris. Donc, j'ouvre mon cœur, je serai toujours là. Moi aussi, j'ai fait 2 gardes à vue, je suis restée une journée au tribunal. Ils m'ont maltraité, les policiers. Mais voilà, ça c'est derrière, ou peut-être qu'il y en a encore devant, mais ça ne me fait pas peur. Je fais ce que j'ai à faire en tant qu'humaine. Et la cause est noble et je serai toujours là. Dès qu'il y a une injustice, que ce soit pour moi, que ce soit pour les soignants. Moi, je ne suis pas soignant, je ne fais pas ce métier. Mais je me sens concernée par la situation des soignants qui est inacceptable, intolérable. Dignité humaine, et voilà. Donc, tous les samedis, on est encore dans les rues depuis le début. Et on sera encore jusqu'à que toutes ces lois et mesures liberticides se terminent. Et elle va se terminer, j'en suis sûre, convaincue et unie à tous les résistants de par le monde, de cœur à cœur, d'âme à âme. On est là, je suis là. Merci, docteur Denis Acré, pour tout ce que tu fais là-bas et ici avec nous, docteur Deschazourne, et tous les médecins qui osent dire la vérité, coûte que coûte. Et coûte que coûte, je suis là et je serai là avec vous et avec nous tous les résistants de La Réunion et de par le monde.